aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon meilleur ami Anthony. Bonjour à tous. Voilà, il est un peu timide donc excusez-le pour ça. Hein. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit challenge et ce sera le... comment ça s'appelle déjà? Tu me demandes un mot. Ça s'appelle le Blindfolded Book Challenge. Donc c'est un challenge, j'ai vu que Noémie de la chaîne Il n'y a qu'un pas et Justine de la chaîne Fairy Neverland l'ont repris sur la chaîne de Noémie. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. On va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure 5000 ans. Donc l'objectif c'est que je dois trouver le titre de 8 livres en les... tâtant. Ouais, en les tâtant. En gros. Et je pourrais poser 3 questions. Par contre, je pourrais les poser que sur la couverture parce qu'Anthony n'est pas très lecture. Donc je pourrais pas lui demander est-ce que je l'ai aimé ou est-ce que... Enfin voilà quoi, je pourrais pas lui poser des questions comme ça. Mais c'est pas grave. Parti. Tu m'aides un peu parce que... Oh, pas de soucis, on voit bien, on voit bien, je vois rien. Je sais pas faire moi. Tu fais un nœud. Eh. Soirée. Vas-y, va chercher les livres. Parti. Sacré pile. Bon alors, on va peut-être commencer, non, Tony? Ouais. C'est dans le cadre, c'est bon? C'est bon. Donc vas-y, montre le livre d'abord quand même, pour que les gens voient ce que tu vas me faire deviner. À toi. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah, attends. On est des deux côtés. Qu'est-ce que c'est? Ah, je peux t'aider, c'est un livre déjà. Oh, ah bon? C'est une question. Attends, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est super dur en vrai. Je pensais pas que c'était aussi dur. Attends. Ah, ça serait pas... Attends. Ça serait pas... Si? Night School? Non. Non. Bon, c'est... Un Night School. La première lettre, elle est bonne déjà. Ah, c'est un N. Non. Sans déconner. Arrête, comment t'as fait? Attends. N. Il n'y a pas de rabat. Ah, les royaumes de Nashira. C'est ça. De... Bien, ouais, je l'ai. Vas-y. C'est ça. 1. Je le remontre. Ouais, vas-y, si tu veux. Voilà. Allez, on passe au deuxième alors. C'est parti. Deuxième. Montre-le bien. Avec une jolie couverture. Ah. Bon, bah, c'est pas le bouquin que je t'ai montré. Ah. Divergente. Je l'ai reçu il y a 2 jours en même temps. Rien à dire. C'était trop facile. Rien à dire. Avec la jaquette et tout, c'était obligé. Oula. Ah, lui non plus, c'est un bouquin que j'ai pas depuis longtemps. Il y a des relèves. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un gros truc. Ouais. Pour moi, oui, c'est un gros truc. Ouais, non mais... Ah, c'est quoi? Pour moi, plus de 50 pages, c'est très gros. Voilà, comme vous l'aurez compris. Et si, il adore les mangas, mais c'est tout. Et les BD aussi. J'ai mis un an pour lire Harry Potter 3 quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc à relief? Mais si c'est gros... Attends, qu'est-ce que j'ai de gros dans ma bibliothèque? Est-ce qu'il y a des... Non. C'est pas assez gros pour que ce soit une place à prendre. De J.K. Rowling. Qu'est-ce que c'est? C'est pas mal comme jeu, t'as l'air super con, tu vois. Ça va, on se calme tout de suite. Ah, c'est pas... Ah, j'ai pas acheté le troisième tome avec toi il y a quelques jours. Oui. Ah, ce serait pas Oscar Peele par hasard? Exactement, mais lequel? Lequel? Bah, attends, est-ce que c'est défoncé là? Parce que j'ai défoncé le premier livre. Ça c'est de la triche ça. Bah non, c'est comme ça que je reconnais mes livres. C'est le premier... Non, c'est pas le premier tome. C'est le deuxième? Ouais, bien, ouais. C'est ça. Ce qui paraît un très bon livre. Ah, je connais pas. J'ai bien aimé Oscar Peele. Bah, on ira le voir au ciné quand il sortira. En 2016. Si, écoute. Quand tu veux. Le time encore. Voilà.
belle couverture. J'en suis à combien là? J'en ai trouvé combien? 3 déjà. 3? Ouais. Encore une brique. Ah, il y a des rabats là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est souvent qu'il y a des rabats quand même. Non. Dans les 3 livres que tu m'as fait. Ah, si, Divergent, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas. Ah, attends. Le format. Format rectangulaire. Jusque-là, ça va, franchement. C'est un. Enfin, bref. Attends. C'est quoi? C'est pas l'épouvantaire, c'est pas assez épais. Enfin, c'est trop épais. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un. Je sais pas. C'est pas un semi-poche, ça. Un semi-poche? Oui, c'est un entre le grand format et le poche. Y a pas. Désolé, je lis vraiment très 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 rarement. Et quand tu regardes mes vidéos, c'est pour se moquer de moi. Aussi. C'est pas. Je l'ai pas acheté à Confluence la dernière fois. Je sais pas. T'étais avec. T'étais... Non, c'était Laura. C'était pas moi. Hein. Ouais, mais je suis. Attends, c'est. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas les anges, je sais pas quoi là. J'ai oublié. Non. Y'a pas les anges dedans? Non. Oh. Oh, t'es un peu asiatique. Ah, oh, mais. Hein? Asiatique. Shibumi? Non. C'est une capitale. Quoi? J'ai le droit de t'aider comme ça? Bah oui, mais enfin. C'est une capitale. Une capitale. Une capitale, je crois. Je crois, hein. Tokyo. Oh putain, entendu si je dis une connerie. Non, on va pas faire doublette quand même. Non, c'est pas une capitale. Bon, je vais arrêter de t'écouter, je crois, Tony. Qu'est-ce que c'est en vrai? Y'a quoi sur la couverture? Non, je sais pas. Franchement. Attends, ça me dit rien du tout. Attends, je suis en train de réfléchir. Je crois sur la couverture, c'est un masque de samouraï. Bon, je sais pas exactement. Peut-être tu m'affoles, là. Bah, la tête, c'est ça. Je sais pas exactement, mais... Ouais, mais là, je peux pas tâter, Tony. Désolé. C'est un peu toi qui fais le truc, quand même. Mais y a pas de relief, en plus. Attends, je suis en train de... Ah, si, y'a un truc, là. Il en reste 4. C'est une gommette, ça, non? Je vais peut-être éviter de défoncer. Hein? Si, y a une gommette, c'est un truc d'occasion. Non, mais ça t'aide pas bien beaucoup, ça. Attends. Qu'est-ce que c'est? Elle est noire, la couverture? Enfin, je dis ça. Genre, il y a un manga pour les filles, je crois, pour les meufs, ouais, c'est Taylor. Quoi? Si je ne me trompe pas. Taylor, et t'as le mot après. Et là, c'est pareil, sauf que c'est une ville asiatique avec le mot après. Ah, Shanghai Moon. Ouais, voilà. Oh là là, j'avais oublié ce livre. Ça fait des mois qu'il traîne dans ma vie à lire. Le prochain. Et Shanghai. Franchement, elle claque la couverture. Shanghai, c'est pas une capitale. Non, c'est pas une capitale. Excusez-moi. Tu sais combien j'avais payé 1€ ce bouquin. Elle est bien celle-ci, hein, de couverture. Ah, c'est un petit. Un petit gros. Ouais, mais non, il est plus petit que le normal. Il y a des reliefs encore, mais qu'est-ce que c'est? Ça va pas m'aider du tout, ça. Ah, attends, non. Ah, si, peut-être. Non. Harry Potter, si. Non. Dommage. Mais ça y ressemble. Enfin, la couverture. La couverture. Je l'ai pas lu, moi, ce livre. En même temps, ça va bien dur pour trouver un livre que t'as pas lu. Connard. Oh, ça va. Ça m'a l'air dans le même type. Ah bon? Mmh. Et même, je vois pas du tout, mon coco. Ah, non, je sais pas. L'appel du sang. Attends, non. Y'a rien sur toi. Besoin d'aide? Je te donne un indice. Est-ce que je l'ai à l'endroit déjà? Dans les mains? Ouais. Donc là, c'est la. J'essaie de déchiffrer. Ah, c'est pas Midnight Story? Non. C'est presque ça. Ça ressemble, le prénom. Le nom, franchement, ça ressemble. Le titre. Le titre. Désolé. Je sais pas. Attends. Je suis en train d'essayer de visualiser ma bibliothèque. C'est que j'ai pas rangé. Ça ressemble vachement à une lettre près. Franchement. Qu'est-ce que c'est?
Ah, non, je sais pas. Je suis paumé là. Ah, Secret Breakers. C'est ça, bien joué. Ah oui, c'est un... Ça ressemble vachement. Ouais, vachement, ouais. Bon, là j'ai pris un... T'aimes bien ma folie en fait. Petit format. Je donne des indices en fait. Ouais, mais pas trop de toi. Voilà. Je sais pas si c'est bien. Ah, ça c'est un pocket jeunesse. C'est Gold, le tome 2. C'est ça. La fin. Joli. En même temps, on n'est pas beaucoup des petits formats chez Pocket Jeunesse. Donc, on va dire que je l'ai un peu aidé quand même. Voilà. En même temps, j'ai que les deux premiers tomes de Gone et Wonder de... Celle-ci, pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu au héros de Infamous. Ceux qui jouent aux jeux vidéo. Ça n'est pas... Je sais pas... Si, il y a quand même... Peut-être ça ressemble vachement. Enfin, il est classe. Moi, je connais pas. Ah. Un pavé. Ah bah... Ça, c'est les anges de je sais pas quoi. J'ai paumé le titre complet. Non, par contre, c'est pas à la fin en fait. C'est pas au début, les anges. C'est à la fin du titre. Du titre, ouais, mais je me souviens plus du titre. C'est... Je vois le livre, mais je me souviens plus du titre. Bon, bah, je le dis. C'est La folie des anges. Ouais, c'est ça. Et le dernier. Ah, bien. C'est ma couverture préférée. Ah, si c'est un classe, pack, ouais. Je te donne tout de suite. Voilà. J'ai fait 3 victoires et plus. Oula, la couverture préférée. Ah, si, il y a du relief. Non, il n'y a pas de relief. Il y a un truc là. Ah, c'est un truc. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il est abîmé là. Le gars, t'es pas trop stupide. C'est notre ça. Non, mais ça, il est neuf par contre, lui. C'est quoi? Ah. Attends. Enfin, je reconnais pas l'écriture, mais léger comme ça, ça me fait penser. C'est pas en revanche? Non. Mais c'est à peu près un mot. Ouais, en fait, non, tu m'as dit c'est. Oh, non, non, par contre, là. Vraiment, c'est. C'est un mot dans le même style. Attends. Y'a pas de rapport. C'est le format des. La collection R ou Pocket Jeunesse, ça. Rien à voir. Non, je déconne, je t'affole. Je suis sûr que c'est un pocket jeunesse. Ouais, c'est ça. Ah. Eh ben, c'est... C'est pas Hunger Games. C'est Enemy. Non. C'est ça. J'ai trop bien joué. Ah, je m'en suis bien sorti quand même. Ouais, ça va. Donc voilà, on en a terminé pour ce challenge. Je vous avoue que j'ai super mal aux yeux là, d'avoir passé ma vie dans le bar. Mm. Donc je moi aussi que... Ça va, je pense que j'ai pas trop été mauvais. En même temps, les formats Pocket Jeunesse, vu que j'en ai pas beaucoup, bah je devine pas trop dur. Mm. Et puis ça va, t'as pas choisi des livres trop durs, parce qu'il y en avait. T'aurais pu largement faire pire, on va dire. Parce j'ai que pris les trucs que j'ai trouvé les plus jolis. Tout lisse ou... Les couvertures les plus jolies. Bah, t'as pas pris Multiverso. Je sais pas, il y en a tellement. Et il m'engueule parce que vu que j'ai 85 livres dans ma pile à lire, et enfin il m'engueule pas, mais hein, il achète encore des livres alors qu'il en a plein à lire. Enfin voilà quoi. Bon, du coup j'ai fait un score de 8 sur 8. Avec pas mal d'indices quand même. Ouais, j'avoue. Merci Anthony. Adore. Voilà, donc pour ce challenge, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça change un peu de voir des nouvelles têtes sur la chaîne. Mmh. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça lui fera plaisir aussi, je pense. Et puis, bah voilà quoi. Tu veux rajouter quelque chose, mon petit? Pas trop de compliments quand même, parce que sinon, je vais revenir souvent. Ouais. Donc voilà. Ouais.
Non, je sais. Enfin, après, si vous l'aimez pas, vous le dites aussi. Non, je déconne. Soyez pas trop méchant quand même, Bichette. Il va être triste. Non. Bon, bref. Essayez de profiter du soleil quand même, parce que en ce moment, on arrive au mois d'août et on a un peu des jours pourris. Bon, là, le soleil est revenu. Profitez du soleil. Ça fait 2 semaines que tu le revois, le soleil, mais bon. Oui, chez nous, mais peut-être qu'il y en a qui y habitent. Dans des endroits, il y a du soleil. Autant pour moi. Parce que là, vous avez de la chance. Voilà, parce que nous, c'est une fois sur... si, là, il fait soleil. Ouais, mais pas le soleil... Ouais, il fait soleil entre deux nuages, quoi. Bref, on est en train de parler de météo. Tout va bien, c'est pas grave, hein. Donc, encore une fois, la vidéo est terminée. Je pense que vous l'aurez compris cette fois. Et voilà, si vous voulez reprendre le challenge, n'hésitez surtout pas. Ça pourra toujours être cool, parce que je pense qu'il y a... peu de monde qui l'a fait, il me semble. Il y a Moody qui l'a refait, donc je vous mettrai le lien aussi dans la description si vous n'avez pas vu sa vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de bonnes lectures. Tu veux rajouter quelque chose? Non, bon, bah voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.